un sénateur qui s'appelle Thoreau qui m'a dit « Viens à Wawa, ça changerait. » J'y suis allé en avril 2014. J'ai fait 15 jours. 15 jours passés à Wawa, c'était vraiment un enfer. Mais comme j'ai une femme qui habite, qui est congolaise de Zaïre, je me suis dit « Je vais aller aussi au Zaïre. » Malheureusement, c'est le jour où il y a installé le matin encore. C'est-à-dire la gifle de l'Élysée ne comprenait pas. On me dit, tu ne peux pas traverser parce que là-bas, tu traverses en bas de Tigny. Je dis, je vais y aller, moi j'ai mon passeport français et je vais l'essayer. Je suis allé au bridge et donc, un militaire m'a vu, il m'a dit, mais tu vas traverser, mais tu vas payer. Je paye, j'ai mon passeport, il est parti. J'ai fait confiance. Les gens m'ont dit, tu es courageux, toi, ici, ton passeport, on va te le voler, on va te dire, je vais y aller, je n'ai rien fait. Madame Mongolo, ce n'est pas moi. Donc, j'ai traversé. Et ce que j'ai vu à la traversée, j'ai vu des bateaux avec du monde qui passait. C'est réellement nos frères et sœurs qui sont expulsés. C'est normal que tout défende les frontières, mais il faut faire avec dignité. Et ce que j'ai filmé, j'ai le bien. Après, je traverse. J'arrive à la fin, j'arrive à Kiev, on me dit que tout le passeport, il y a encore un autre congrès de pays, il n'a pas de prix payé. Je me connais, 60 dollars. J'avais un visa à aller sortir. Je ne savais pas qu'il fallait faire un visa pour aller aux Zaïre. Donc, mon passeport est parti. Et puis, je le viens dit que je suis en bateau quelque part. Oui, je vais aller, j'arrive. Et celui qui était le directeur du pitch, c'est le frère de ma femme. Donc, quand il a vu le passeport, il a dit, mais je connais cette personne. Donc, du coup, je lui dis, finalement, on n'est pas des ennemis, on est des frères et des sœurs. Même si on se fait la guerre, même si on se déteste. Ce qui nous unit aujourd'hui est plus fort que ce qui nous, divise. Je pense qu'il faut vraiment qu'on ait l'unité en Afrique et notamment aussi dans le Congo. J'ai cherché la division. Donc, du coup, je n'ai pas payé, j'ai été escorté, j'ai fait 48 thérapies. Je suis allé au concours, les réfugiés qui rentraient donc, de Brazza pour aller à Kinshasa, à la région de Stade, c'était un scandale. La dignité humaine a dépassé les bornes. On peut faire ça. Donc, aujourd'hui, en 21e siècle, je crois qu'il faut faire ça avec dignité. Alors, le jour d'après, quand je rentre à Brazzaville, on me dit, mais comment t'as fait avec un visa pour rentrer, les amis de Brazza, c'est ma famille, je peux y aller quand je veux. Oui, mais ce n'est pas Shanghai ici. Oui, mais on est dans les deux pour nous. Finalement, j'ai traversé, rien ne s'est passé, j'ai été bien reçu par le frère de ma femme qui est derrière le but de Mouvida, qui m'a traversé tout le pays pendant 48 heures, et je suis allé au Sénat et à l'Assemblée. Je connais quelques personnes de l'Assemblée de Zaïre qui débattaient sur comment faire en sorte que ce qui se passe à Brazzaville se passe.